Et comme ça, entend-on. Ça va pas? Dites, ça va? Alors, la cravate, donc, était un obstacle. J'ai jamais la moindre intention de faire une conférence, mais j'ai un enseignement. J'ai fait ça pendant très longtemps, enfin, j'ai fait ça pendant 17 ans. Freud pensait que la psychanalyse était une révolution de l'esprit qui devait troubler la conscience du monde. Il regardait l'inconscient comme un réservoir de forces pulsionnelles refoulées dans les profondeurs biologiques de l'âme. Explorateur des ruses de la parole, Jacques Lacan est le seul parmi les héritiers de Freud à abandonner ce romantisme de la science issu de Darwin et à réveiller le génie subversif de la psychanalyse. Il fait de l'inconscient une structure de langage dont la logique formelle se déploie à la manière d'une fugue de Bach ou d'un poème de Mallarmé. « Je suis celui qui a lu Freud », dira-t-il. On a eu la bonté de me présenter. Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Si l'on veut faire le point sur le passage de Freud à Lacan et l'émergence de la psychanalyse chez Lacan, il faut bien voir que ça suppose une reconstruction totale des concepts. Et, par exemple, le concept de sujet. Comment caractériser le sujet au moment où il apparaît clairement dans la doctrine lacanienne? Il apparaît à partir de plusieurs éléments. Le sujet, d'abord, c'est ce qui doit être pensé dans la constitution du moi. Parce que avant de théoriser à fond le sujet, Lacan s'est d'abord interrogé sur le moi. Mais le moi, chez Freud, est un concept sans grand mystère. C'est le système perception-conscience. Et chez Lacan, sous influence philosophique, on pourrait voir comment, au moment du fameux écrit sur le stade du miroir, voilà que le moi devient le résultat de quoi ? De l'autre. C'est-à-dire que mon moi, c'est cette image de moi, c'est un moi spéculaire qui se réfléchit dans le miroir de l'autre et qui m'est renvoyé, pour dire les choses très simplement. Et qui est renvoyé donc à qui ? Eh bien, quelque chose d'assez énigmatique qui va bientôt s'appeler le sujet. Alors déjà, donc, en effet, le moi est foncièrement illusoire ou lieu d'illusion. Voilà comment Lacan approche le sujet. Le stade du miroir est le moment durant lequel l'enfant, entre 6 et 18 mois, anticipe la maîtrise de son unité corporelle par la captation de son image dans un miroir. En 1936, Lacan s'inspire de la légende de Narcisse, condamné par les dieux à se noyer dans la contemplation de son reflet. Quand le sujet reconnaît autrui, il parvient à la socialisation et se détache d'un monde intérieur centré sur le moi. Quand au contraire il régresse vers le narcissisme primaire, il s'abandonne à un univers fermé où l'autre n'existe pas.
Il faut voir l'apport de Lacan comme un tableau moderne. Lacan n'est plus dans l'univers classique des représentations, mais dans l'univers de la peinture moderne. C'est la peinture de Picasso par rapport à la peinture classique. Le nez est placé ailleurs, les yeux ont bougé, les représentations sont fracturées. Toute la modernité est passée. Alors que Freud, c'est un lieu de représentation beaucoup plus classique du sujet. D'autre part, c'est pour ça qu'on peut ramener aussi Lacan au baroque. Tout est déformé. C'est comme si c'était Freud, mais démesuré. Né à Paris le 13 avril 1901, dans une famille de vinaigriers orléanais, Jacques Lacan était issu de la moyenne bourgeoisie catholique et bien pensante. Il eut avec son jeune frère Marc-François, qui deviendra moine dans l'ordre des bénédictins, une relation privilégiée. Durant ses études au collège Stanislas, il s'initia à l'œuvre de Nietzsche et de Spinoza, puis rejette le catholicisme. Il retire de ses années passées en uniforme la conviction intime que les blessures psychiques les plus violentes surgissent toujours à l'intérieur des collectivités apparemment soumises à la plus grande normalité. Lacan se sent incompris de son père qui le destine au commerce des moutardes. Il entre ainsi dans la modernité du XXe siècle par la voie d'une rébellion intellectuelle. Désireux d'explorer l'essence de la folie dont il avait perçu les ombres dans sa propre famille, il s'oriente vers la psychiatrie. À l'hôpital Sainte-Anne, il se confronte à la souffrance de l'asile et se passionne pour la paranoïa, une forme de folie tellement cohérente que Freud la comparait à un système philosophique. Lacan fait de la paranoïa un mode de raisonnement logique, inscrit au cœur de la personnalité humaine. Évidemment, on pourrait s'interroger sur le thème même de la paranoïa. Ça a beaucoup compté pour Lacan, on le sait, puisque c'est le sujet de sa thèse de doctorat. Ça compte dans le surréalisme par Salvador Dali. Or, la paranoïa, c'est la quête de la vérité. Et la supposition du paranoïaque, c'est que, quel que soit le désordre des apparences, il doit y avoir quelque part un réel caché dont lui est absolument certain et qui donne son sens à tout ce qui a lieu. Et ce réel, généralement, c'est un complot ou un crime préparé contre lui. Eh bien, ça, c'est la structure même de notre quête de la connaissance. Et donc, quand nous voulons connaître les choses obscures, les choses cachées, comme disaient les sceptiques, nous sommes nécessairement paranoïaques. Donc la paranoïa, la psychose, éclairerait la structure même du désir de connaître, dont tout le monde sait depuis Aristote que c'est le désir de la science. Alors ça, je crois que ça fascine Lacan, parce que ça veut dire que le fond de l'esprit est délire, et si le fond de l'esprit est délire, là je reprends une formule de Deleuze, mais qui est tout à fait adéquate, la vérité est au bout de cette quête délirante. En 1930, les psychiatres de sa génération, marqués par l'essor de la psychanalyse, s'intéressent autant à l'écriture du délire qu'aux attitudes passionnelles des femmes hystériques. L'hystérie et la paranoïa dessinent pour eux, comme pour les poètes surréalistes, les contours étranges d'une vérité convulsive qui les renvoie aux égarements d'un monde en proie au déclin des valeurs classiques de la raison et du progrès. En 1932, Lacan publie sa thèse de médecine consacrée à l'étude d'un cas de paranoïa féminine. Il y raconte la destinée d'une femme persécutée
issu d'un milieu modeste. C'est l'histoire d'une employée des postes qui rêve d'une autre vie et elle va commettre une tentative de meurtre sur une actrice célèbre de l'époque, Huguette Duflot, puis elle rate son coup. Après la tentative de meurtre sur Huguette Duflot, sur cette comédienne de théâtre, Marguerite Pantaine, Marguerite Anzieux, le cas aimé, est internée à l'hôpital Sainte-Anne. Et là, confiée donc aux soins de Lacan, qui n'est pas encore psychanalyste, qui est psychiatre. Et il va en faire une description fascinante, qui va intéresser donc tout le milieu psychiatrique et littéraire de l'époque. Et cette femme, donc, au fond, ce que Lacan montre dans cette histoire de paranoïa, d'autopunition, c'est que, en frappant la comédienne, elle a frappé son idéal du moi, ce à quoi elle s'identifiait le plus. L'année suivante, en 1933, les sœurs Papin, domestiques dans la ville du Mans, assassinent sauvagement leur patronne. Comme dans le cas aimé, Lacan montre que le véritable mobile du crime n'est pas la haine de classe, mais la structure paranoïaque à travers laquelle un sujet frappe l'idéal du maître qu'il porte en lui. À l'hôpital Sainte-Anne, chacun s'interroge sur les extases de ces femmes aliénées. Selon Lacan, cette folie féminine ressemble à un théâtre de la cruauté surgi d'un temps immémorial. Elle est la forme contemporaine d'une tragédie antique, revue et corrigée par la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. À partir de 1934, Lacan suit le séminaire d'Alexandre Kojève sur la phénoménologie de l'esprit, de Hegel, paru en 1807 et non encore traduite en français. D'origine russe, Kojève délivre à ses auditeurs un commentaire talentueux du texte de Hegel. Il s'appuie sur des exemples concrets tirés de l'histoire politique du temps présent. Georges Bataille et Raymond Queneau sont les adeptes de cet enseignement oral dont Lacan imitera le style. Ce que retient, me semble-t-il, Lacan des leçons de Kojève, c'est l'insistance qu'a eue celui-ci à interpréter tout le système hegelien en fonction de la dialectique du maître et de l'esclave. Et la dialectique du maître et de l'esclave, qui s'origine elle-même dans la lutte à mort des consciences, permettait à Lacan de penser le sujet, c'est-à-dire que le sujet est divisé. En effet, pour reprendre le schème très général, le génie hegelien consistait à découvrir que quand j'essaye de prendre certitude de moi-même, c'est-à-dire de mon existence, je suis obligé de demander la reconnaissance de cette existence à l'autre. Et par conséquent, l'autre devient le maître de mon propre être. Lacan a poussé à l'extrême la logique hegelienne qui veut que mon discours ait sa cause dans l'autre. Il le prend au pied de la lettre. Et bien, puisque la cause du discours que je tiens est toujours l'autre, il y a un lieu de l'autre, un vrai lieu de l'autre, qui est précisément ce trésor des signifiants, où se constitue d'une certaine manière pour moi la langue est réelle, mais la langue, elle vient à se structurer en ce lieu de l'autre. Et c'est ce qui me fournit les lambeaux de discours que je vais articuler. Et d'autre part, le lieu de l'autre, c'est du même coup le lieu où s'organise la structure même de mon désir. En 1934, Lacan épouse Marie-Louise Blondin, dont il aura trois enfants, Caroline, Thibault, Sibylle.
Trois ans après son mariage, il tombe amoureux de l'actrice Sylvia Bataille, dont la famille d'origine juive a émigré de Roumanie. À cette époque, celle-ci est séparée de l'écrivain Georges Bataille, dont elle est toujours l'épouse légitime et avec lequel elle a eu une première fille, Laurence, qui deviendra psychanalyste. Pendant l'occupation, réfugiée en zone libre, Sylvia aura avec Lacan une deuxième fille, Judith, née en 1941. Après la guerre, Lacan épouse Sylvia. Mais avec l'accord de Marie-Louise, il dissimule à ses enfants du premier mariage l'existence de son deuxième foyer. Théoricien de l'amour et de la jouissance féminine, Lacan recherchera sans cesse les raffinements d'une séduction dont il saura décrire toutes les tromperies. Le réel, pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où ? C'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est là depuis toujours. Et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que ça ne fait que continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui? Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète? Un certain mode du jouir. Là, femme n'existe pas. L'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Lacan avait l'art d'inventer des maximes et de les exprimer avec humour. Juliette Mitchell, militante féministe engagée dans la lutte anticoloniale, a été la première à introduire la pensée de Lacan dans le monde anglophone, avant de devenir elle-même psychanalyste. In England, I would like to say, and I hope I'm not glamorizing it in a sort of nostalgic, retrospective way, but I think we made Lacan our own, and we were often criticized. I personally was criticized for a misuse of Lacan, but I think it was an appropriation for a political purpose. It wasn't simply that we were stupid and didn't really understand the subtleties of Lacan. Possibly we were, that's a possibility, but that wasn't really the main thrust of the situation. The main thrust of the situation was to use Lacan, for a political argument, first of all from the left and, not secondly, but simultaneously from the left and for feminism. Because, you see, feminism came into England with this very strong slogan, the personal is the political. You couldn't find women in any of the literature, any of the statistics about education, about work, or anything in the 60s. Women did not exist. We were not a category. I think people forget now that it was not a category, women. So here was a theory, in a sense, that spoke to the non-category of women. So there was a double thrust for Lacan. Lacan was very interested, of course, in the family early on in his writings.
And then he became interested in what again became almost sloganized, the woman does not exist, with a line through the la femme does not exist. And that combination of women not existing, or the woman not existing, and an interest in the family, spoke exactly to the situation that our investigations were finding in English culture at the time. Lacan repère quelque chose de spécifique à la femme, aux femmes, à la jouissance féminine, à la sexualité féminine, mais sans en faire une nature, sans remettre l'ordre de la naturalité dans cette affaire. Il n'assigne pas les femmes à la place du maternel automatiquement, mais il saisit quelque chose d'une folie féminine. La tradition de la présentation de malades, héritée de la médecine hospitalière, consistait à exhiber un patient devant un auditoire de praticiens ou d'étudiants et à lui poser des questions dont la signification profonde était censée lui échapper. Les acteurs de ce cérémonial, entraînés par des années d'enfermement, produisaient en réalité tous les symptômes que les maîtres de l'asile attendaient d'eux. Lacan brise cette clinique du regard pour donner la parole aux malades. Analysé par Lacan, le psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis assiste à ces présentations tout en participant au fameux séminaire dont il transcrit des résumés. Lacan était extraordinairement, je dirais, courtois avec ses malades, hein, les traitant donc pas du tout comme des patients d'asile, mais vraiment comme des, c'est la moindre des choses, vous me direz, mais c'est pas toujours le cas, comme des êtres humains. Et les amenait peu à peu, créant vraiment une atmosphère de confiance, à les laisser parler très, très librement. Alors pour l'anecdote, parce que c'est assez savoureux, je me souviens qu'une fois il y avait une femme qui était une paranoïaque qui se plaignait qu'on la suivit partout, on me suit, et Lacan à la fin lui dit: ne vous inquiétez pas chère madame, parce qu'il disait chère madame, je vais trouver quelqu'un pour vous suivre, entendant par là pour un médecin qui pourra vous traiter. Parallèlement à ça, il y avait donc le séminaire qui se tenait à Sainte-Anne, dans l'amphithéâtre que lui avait proposé le professeur Jean Delay. Donc les deux marchaient absolument de pair. Et Lacan d'ailleurs tenait beaucoup à ce qu'on assistât à son séminaire. Je me souviens qu'une ou deux fois j'avais séché, je parle là comme un écolier qui faisait l'école buissonnière, et je m'étais fait vraiment tenser, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu mercredi, je ne vous ai pas vu, etc. Alors pourquoi ça marchait de pair? Parce que là on avait ce séminaire qui était pour moi celui des Lacan des grandes années, hein, Lacan alors là extraordinairement brillant, éveillant, enfin on avait l'impression, tous ceux qui assistaient, qui n'étaient pas, ça faisait pas une foule, on était peut-être une centaine, de participer, pas seulement d'assister, mais de participer à la naissance de la psychanalyse, de la réinventer, comme si nous étions des pionniers, comme peut-être ont pu l'être les premiers disciples de Freud. C'était une parole, ça, j'insiste beaucoup là-dessus, en mouvement, comme si lui-même, dans ces années-là, était en train aussi d'inventer et de s'inventer. Alors c'est ça qui donnait un certain enthousiasme. C'est que nous participions, je dirais presque en accord avec lui, en résonance avec lui, à un mouvement inventif. Après la Deuxième Guerre mondiale, sans renoncer à l'héritage de la philosophie allemande, Lacan se tourne vers l'étude des structures symboliques de la subjectivité. Il s'appuie sur les travaux de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss et du linguiste Roman Jakobson pour faire de l'inconscient le lieu d'une chaîne de signifiants. Lévi-Strauss a eu une importance considérable dans ses travaux. Pourquoi ? Parce que le problème que résout Lévi-Strauss, en quelque sorte, avec les structures élémentaires de la parenté,
c'est de montrer que l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire cette coupure, cette obéissance à la loi du symbolique, au fond signifie le passage de la nature à la culture. En d'autres termes, ça n'est pas parce que l'homme a horreur de l'inceste qu'il se l'interdit, c'est bien parce qu'il désire l'inceste. Ça, Freud l'avait déjà repéré. Mais Lévi-Strauss montre que c'est structurel des relations de parenté. On passe donc à l'organisation structurale des relations de parenté qui détermine les structures symboliques de la société. Et ces structures symboliques sont dominées par des règles qui sont celles du langage. Qu'est-ce que c'est la chaîne signifiante ? La chaîne signifiante, c'est la structure de base de l'inconscient, c'est-à-dire du langage, du discours, tel qu'il constitue le sujet humain, puisque les hommes se définissent de parler. Eh bien, pourquoi on parle de chaîne signifiante ? Bon, c'est emprunté très nettement, bien sûr, à la linguistique, Ferdinand de Saussure, puis à ce qu'il a connu de Jacobson, etc. Mais ça veut dire que quand nous parlons, nous mobilisons, dans un ordre d'ailleurs absolument aléatoire, des structures, c'est-à-dire des différences. Le langage est marqué par des différences de phonèmes, des différences de mots, des différences... Et ces différences s'articulent selon une logique. Et Lacan parle d'une chaîne, parce que les signifiants s'enchaînent, et selon une logique, et la cure analytique doit viser à exhiber cette logique qui est propre à tout sujet. Alors, cette chaîne, elle ne se ferme pas, ou plutôt elle se ferme sur un terme absent. Elle est en droit infini, elle se ferme pas comme un bracelet, elle est comme un bracelet dont le fermoir sauterait. Et cet endroit où ça saute, c'est là, selon Lacan, qu'est la cause du tout. Comme disait Lénine, on rapprochait ça d'ailleurs autrefois de Lacan, c'est pas une chaîne est aussi forte que la force de son maillon le plus fort. Le maillon le plus faible, beau lapsus. Le maillon le plus faible ici, c'est celui qui à la fois donne sa cohérence à la chaîne et en même temps, le cas échéant, la fait sauter. Et ce maillon-là, c'est l'objet du désir. Cet objet du désir, il va l'appeler l'objet petit a. Petit a parce que c'est un autre. C'est toujours l'autre de ce qu'on croit. Donc il est radicalement autre. Et puis il est à ce point autre qu'on ne peut pas se le représenter. Ce que l'expérience nous montre, c'est que cet un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun, disons le mot dans votre famille, n'est-ce pas, n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante qui est faite du désir de vos parents. C'est pour autant que dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, par la langue maternelle, par ce quelque chose qui est à la fois au principe de... que c'est vers là que se tourne l'amour. De la psychanalyse, Marie Bonaparte se pensait en 1950 comme la seule héritière française de Freud, dont elle célébrait pieusement la mémoire avec l'appui de l'IPA, l'International Psychoanalytical Association, fondée par Freud en 1910. L'IPA était alors dominée par une corporation de cliniciens honorables, majoritairement anglophones, et peu ouverts à la virtuosité des spéculations lacaniennes. Critiqué par les tenants de cette légitimité, Lacan quitte la Société psychanalytique de Paris et participe en 1953, avec Daniel Lagache, Serge Leclerc, Vladimir Granov
et François Périer à la création de la Société française de psychanalyse. Son amie Françoise Dolto, fondatrice d'une nouvelle approche psychanalytique de l'enfance, lui apporte son soutien. Ils vont donc fonder la Société française de psychanalyse, qui va durer 10 ans et qui va être un bouillon de culture pour toute la jeunesse de l'époque. Et c'est Lacan qui va former, soit en étant l'analyste, le contrôleur, le maître, l'initiateur, l'éveilleur, par ses séminaires qui ont lieu à l'hôpital Sainte-Anne à ce moment-là, puis la présentation de malades, le grand rénovateur, le grand réinventeur de la psychanalyse en France. Et cette génération ont l'impression d'être les pionniers de quelque chose de nouveau autour de Lacan. Mais ils voudraient bien aussi rester dans l'IPA, dans cette légitimité freudienne où ils ne sont plus puisque leurs maîtres ont démissionné. La caractéristique de Lacan, c'est qu'il conteste l'ensemble, qu'il se prend pour Freud et qu'il est le seul à dire « je retourne aux origines, retour au sens de Freud » et non pas post-freudisme et non pas dépassement de Freud. Il se pose donc comme le refondateur. Et le refondateur est transgressif. Il ne respecte aucune règle. Donc, pour l'IPA, c'est inacceptable. Que ce soit la durée des séances, que ce soit, on veut bien accepter bien sûr son enseignement, on accepte tout à fait l'enseignement de Lacan, mais qu'il reste dans l'IPA comme philosophe, théoricien, mais surtout pas comme formateur d'élèves. Lacan va se trouver dans une situation qui n'a jamais été celle de Freud, c'est-à-dire de fonder son école en étant le directeur de l'école. C'est-à-dire Lacan va exercer, en fondant l'école freudienne de Paris en 1964, des fonctions que Freud n'a jamais exercées. Il est à la fois le maître à penser, l'analyste, le chef politique de son école, il cumule toutes les fonctions, alors que Freud avait délégué le pouvoir, disons politique, à ses disciples. Je fonde, aussi seul que je l'ai toujours été dans ma relation à la cause psychanalytique, l'école française de psychanalyse, dont j'assurerai pour les 4 ans à venir, dont rien dans le présent ne m'interdit de répondre, personnellement la direction. Unique en son genre, l'aventure de l'école freudienne de Paris s'achèvera 16 ans plus tard, en 1980. Elle aura permis à Lacan de placer le désir d'être analyste au cœur de la formation des didacticiens. L'inconscient reste le cœur de l'être pour les uns, et d'autres croiront me suivre à en faire l'autre de la réalité. La seule façon de s'en sortir, c'est de poser qu'il est le réel. Ce qui ne veut dire aucune réalité. Le réel en tant qu'impossible à dire, c'est-à-dire en tant que le réel, c'est l'impossible, tout simplement. Écoutez, ça me fait un très drôle d'effet, presque d'inquiétante étrangeté, parce que je rentends la voix de Lacan, et en même temps, je l'ai si souvent imité, vous voyez, transfert, pas mort, que je ne sais pas si c'est moi que j'entends ou si c'est lui. Et bon, là, il est là tout entier, dans le suspens dont je parlais tout à l'heure, dans la formule définitive qu'il laisse, évidemment, est très énigmatique, le réel, c'est l'impossible, l'impossible, c'est le réel en tant que... Bon. On est un peu perdu et on se dit c'est peut-être génial, c'est peut-être moi qui comprends rien. Ça me rappelle d'ailleurs que Lacan disant, alors qu'il y avait quand même dans le début de ce séminaire, il y avait des gens comme Merleau-Ponty, Hippolyte Venet, Ricoeur, bien d'autres, je l'entends encore dire, peut-être pas s'adressant à eux mais à l'auditoire en général, mais enfin vous allez commencer à l'ouvrir votre comprenoir. Voilà, bon. Voilà. Donc je peux pas dire que ça m'émeuve, parce qu'il a quand même un côté un peu comédien, même très comédien. Il en remet un peu comme il en remettait dans sa Béture, avec ses vestes, ses colmao à l'époque, et puis ensuite les fameux cigares torsadés. Bon, alors quand il a commencé ses séminaires, ça m'a beaucoup intéressé. Et quand je comprenais, je trouvais ça génial, parce que ça recouvrait en quelques mots une expérience
de multiples cas. Et ça, c'est ça la symbolisation. Ouais. Bon. Donc, si dit, ce gars-là, il parle de choses. Donc, le reste que je ne comprends pas, ça doit être de la mémo. Ma vieille travaille pour essayer de le comprendre. Je dois dire, j'ai eu beau travailler dans ces séminaires, quand je les écoutais, parce que je les ai suivis longtemps, il y avait des perles que je comprenais, puis le reste, c'était plutôt un climat en la mineur. C'est à Rome, en 1953, dans cette ville qu'il aime passionnément au point d'y retourner sans cesse, que Lacan définit les trois termes majeurs de son enseignement lors d'un discours adressé aux membres de la Société française de psychanalyse. Le symbolique, l'imaginaire et le réel. Les trois registres par lesquels j'ai introduit un enseignement qui ne prétend pas innover, mais rétablir quelque rigueur dans l'expérience de la psychanalyse, les voilà, jouant à l'état pur dans leur rapport le plus simple. Les trois registres par lesquels Lacan veut rétablir la psychanalyse dans sa dignité, au fond. Trois registres qui sont noués. Et c'est ça qu'il veut dire. Trois concepts fondamentaux. Au sens de la plus ancienne tradition philosophique, où le platonisme, ou l'aristotélisme, ou le stoïcisme avaient des concepts fondamentaux. C'est très, très impressionnant d'entendre cette prétention à la fondation. Fondation. Et le réel comme ce qui permet au symbolique et à l'imaginaire de se nouer et qui se noue lui-même aux trois autres. De sorte que si l'on dénoue ces trois termes les uns des autres, la structure fondamentale, on pourrait dire de l'être, s'effondre. Qu'est-ce que l'imaginaire, pour Lacan, ça va être le lieu des illusions du moi. Mais attention, ces illusions existent. Elles forment notre psychisme. Nous vivons dans un monde d'illusions, de représentations qui nous marquent à vie et qui resteront d'ailleurs. D'où la fameuse topique de Lacan, dans laquelle trois termes sont importants, symbolique, imaginaire, réel. Le symbolique, qui est en quelque sorte le primat qui nous détermine, qui fait loi, c'est la fonction symbolique au sens de Lévi-Strauss. C'est l'idée qu'on est dominé par des structures qui peuvent être sociales, qui peuvent être des structures symboliques, des structures de langage. Le réel, c'est ce qui échappe à toute symbolisation, le lieu de la folie, des pulsions, de l'émergence de l'illimité. Donc le réel suscite l'imaginaire et le symbolique, et s'articule à eux. Mais vraiment, je crois qu'il faut comprendre le réel lacanien, comme bien sûr le manque, on dit toujours, le cas échéant, ce qui ne peut se manifester que dans le rien. Mais le rien, c'est ce qui est là, ce qui revient là. Non pas l'existant qui est là, mais le fait pour lui d'être là. Voilà. C'est en ce sens que Lacan est un formidable réaliste, et se rattache à toutes les grandes écoles réalistes de la philosophie. En 1963, le philosophe Louis Althusser invite Lacan à l'École normale supérieure. Engagé lui-même dans une lecture structurale de l'œuvre de Marx qui vise à détacher le communisme de sa dérive stalinienne,
il lui offre un brillant auditoire de jeunes élèves en quête d'une révolution culturelle avec la Chine pour horizon. Parmi eux, Jacques-Alain Miller se met avec fougue au service du texte lacanien. Il épousera Judith et deviendra le rédacteur des séminaires de son beau-père. C'est en 1966, lors du fameux colloque de Baltimore sur la pensée française, que Lacan rencontre le philosophe Jacques Derrida. Il cherchait à la fois à me séduire et à m'attirer dans son champ d'appartenance, dans sa discipline, disons. Et voyant que je ne me prêtais pas à cette scène, c'était la guerre, c'était donc l'agression. Et malgré tout, et donc j'ai lutté en moi, et je pense aussi sur la scène, j'ai lutté pour ne pas réagir ni à l'appel séducteur, ni à l'agression. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Et le temps passant, je dois dire, ça c'est aussi le post-mortem, le temps passant, mais je savais que ce serait comme ça de son vivant déjà, le temps passant, j'ai fini par, au fond, aimer cette scène, aimer cette mémoire. Enfin, ici, voilà, ça s'est passé, il y a eu séduction, il y a eu guerre, il y a eu silence, il y a eu beaucoup de silence, un énorme silence. Après la publication de ses écrits en 1966, Lacan devient un penseur reconnu, admiré de ses élèves et haï de ses adversaires. À l'école normale, salle du San, une assemblée nombreuse se presse pour l'écouter. L'écrivain Philippe Solers décrira de façon lyrique les harmonies et les dissonances de la grande scène du séminaire. Lacan monte à la tribune comme une gravure de Durer, drôle de saint, drôle de moine chevalier prêcheur d'un autre âge. Lacan, c'est de la lenteur ponctuée, du soupir, de la passion tortueuse, de l'envolée, de l'anecdote, de l'argot, de la moquerie, de l'insulte, du tonnerre intermittent, du pinaillage à n'en plus finir, de l'ennui massif, du mot d'esprit, du sublime. Il y a Lacan mystique, Lacan chansonnier, Lacan l'ancêtre, Lacan don Juan, Lacan Satan, Lacan charlatan, Lacan malicieux, Lacan généreux, Lacan vaniteux, Lacan persifleur, ronchonneur, hurleur, murmureur, souffleur, séducteur. Il y a Lacan cigare et Lacan mouchoir, Lacan accablé, Lacan vrai. L'étonnant est que ça donne comme la nervure exacte d'un gai savoir. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. En quoi ils ont tort? Car justement, ils en savent un bout. Je moque exactement comme pour l'inconscient dont c'est la véritable définition, ils ne savent pas qu'ils le savent. Dès 1950,
Lacan avait mis en cause le rituel des séances chronométrées à 55 minutes imposé par l'IPA et destiné à préserver les patients et élèves en formation de la toute-puissance transférentielle des maîtres. Lacan pulvérise cette règle. Il invente celle de la séance à durée variable qui conduit l'analyste à intervenir dans la cure par des césures ou par des interprétations afin que l'analysant explore plus rapidement ses fantasmes inconscients et perde moins de temps à énoncer des paroles vides. En 1971, Maria Bello, psychanalyste portugaise, décide de faire avec Lacan une deuxième tranche d'analyse après le suicide de sa sœur qui a bouleversé sa vie. Je crois que c'était dans les premières fois où j'étais venue dans le deuil de ma sœur, là. Et je me rappelle que je pleurais beaucoup et que j'avais pas de mouchoir. Bon, il s'est rendu compte que et il s'est levé, il est sorti pour, il m'a amené un mouchoir. Et puis bon, j'ai gardé le mouchoir parce que c'était un vrai mouchoir, c'est pas un mouchoir en papier comme on fait maintenant. C'était un vrai mouchoir de dame en dentelle, un très beau mouchoir. Je l'ai pris pour le laver, pour le lui rendre la fois d'après. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un très vieux mouchoir et qui était déjà d'ailleurs déchiré parce que c'était en soie et c'était déchiré. Et dans mon truc là d'imaginaire, de transfert, j'ai passé quelque temps à je ne sais pas très bien comment on dit ça en français, mais à réparer ce mouchoir, à faire une espèce de dentelle autour de cette déchirure qui en fait concernait beaucoup. Symboliquement, en fait, je crois, la déchirure qu'il m'avait amenée chez lui, la qualité de sa présence faisait que ça déclenchait un travail. Chaque séance déclenchait un énorme travail analytique en moi et que j'arrivais chez moi, j'écrivais des lettres de plusieurs pages que chaque fois j'allais mettre dans sa boîte à lettres pendant l'intervalle des séances et je pense que tout ce que j'ai fait, j'avais fait quand même quelques années d'analyse avant, que toutes ces années-là ont été une espèce de préparation à ce qui a été déclenché à ce moment-là. À l'âge de 70 ans, angoissé de n'avoir pas assez de temps pour transmettre son enseignement, Lacan commence à prendre en analyse tous les disciples qui lui vouent un amour immodéré. Sans justification clinique, il transforma progressivement l'expérience de la cure en un laboratoire de l'extrême et finit par raccourcir à quelques minutes la durée de la séance. Lacan a en quelque sorte inscrit cette pratique, je l'ai même expliqué jusqu'à la dissolution même de la séance. D'abord parce que il ne pouvait refuser personne en analyse dans cette position de maître sollicité. Que d'autre part, sa passion lui donnait une écoute très particulière même dans cette absence de temps qui était remplacée dans le dispositif de la rue de Lille et de son appartement par autre chose. Ceux qui ont eu cette expérience des limites, en quelque sorte, et je dis bien de l'impossible, des limites, de quelque chose d'impossible, en quelque sorte, de cette séance ultra courte, ont pu en retirer des choses négatives, quelquefois des choses positives, mais ils ont participé à une aventure unique. Ce que j'ai appris dans l'analyse lacanienne, c'est beaucoup plus la façon de couper la science, c'est-à-dire la façon de se servir de l'arrêt d'une séance comme une interprétation ou comme une façon
de faire sentir, de faire entendre, écouter au patient ce qu'il vient de dire ou ce qu'il est en train de dire. Je pense aussi que ce que Lacan faisait avec ses séances très courtes était très lié à ce qu'il était. Si on pense à l'époque où, cette époque-là, la grande époque, je ne sais pas comment c'était avant, que je n'ai pas connu, mais cette grande époque de l'école freudienne où il était presque mythifié, enfin il était mythifié par beaucoup de gens, que il avait vraiment besoin, par rapport au transfert, de secouer les gens et de faire des trucs que personne d'autre n'a eu raison de faire après, je crois. Le transfert, c'est l'amour. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil? Je laisse pour l'instant la question en suspens, j'en ai donné une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges. Comme d'habitude, comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. I think that it's very interesting that Lacan has been so successful in the literary departments of universities or the film departments of universities because there's there a love of theory, and he's been very marginalized clinically in the Anglo-Saxon world in general. Now, I think there are a complex reasons for this marginalization of Lacan clinically. First of all, it is for the very good reason that his theory has been very influential within the university world, but for bad reasons that he has been really denigrated for his clinical work. Probably he was a difficult clinician to deal with, and I think there are all sorts of things that happened within his clinical practice which gained notoriety. In England, there were just rumours about the numbers of suicides and this sort of thing, that the very notion that Lacan was working at that psychotic edge frightened people, that he was working too close to psychosis, and there was something within his clinical practice which matched with his theoretical understanding, obviously, which, as it were, privileged the psychotic. And that was seen to be very dangerous, and perhaps it was. Contrairement à d'autres cliniciens, Lacan avait toujours accepté de recevoir en analyse des patients psychotiques ou suicidaires. Parfois, il ne parvenait pas à éviter les passages à l'acte. À la fin de sa vie, fasciné par les mathématiques, Lacan dessine des nœuds et des tresses, cherchant à formaliser en figure topologique les trois éléments fondamentaux de sa doctrine. Atteint de troubles cérébraux, il perd progressivement la parole devant les auditeurs de son séminaire. Chacun regarde le vieil homme silencieux, privé de cette voix fulgurante et tragique qui avait tenu en haleine des générations d'intellectuels et de praticiens. Qu'est-ce qu'il a voulu faire par là, dans cette dernière période? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a, semble-t-il, parlé de moins en moins. Et il a voulu que quelque chose, dans une sorte de pythagorisme un peu étrange, l'usage des figures et des nombres, viennent signifier
non plus simplement la rigueur des structures de l'inconscient, mais le réel lui-même. Le nœud était là pour essayer de transmettre, alors pas simplement le réel comme vérité, mais, ou le réel comme indicible, mais le réel comme ce qui est là, dans sa plus grande nudité et sa plus grande insignifiance. La chute d'une ficelle et en même temps son enroulement. Qu'est-ce qui reste quand ça se défait ? Un rien. Un rien, pas rien, un rien. Et en même temps que ce rien forme la chose la plus complexe, c'est-à-dire tous ces nœuds du langage à quoi nous sommes pris et qui tissent notre vie. Je n'imagine pas que quelqu'un qui était engagé comme il l'a été, avec une passion, non seulement du signifiant, comme il dit, mais de la vérité, au sens où il se sert de ce mot-là, qu'une telle passion de la vérité, là où le sens même du mot vérité était si difficile à faire entendre, hein, je n'imagine pas qu'une telle personne puisse vivre autrement que tragiquement. C'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à résister à toute réponse agressive à Lacan. Parce que je pensais que, oserais-je dire, je n'oserais pas dire comme moi, mais je pensais que cet homme avait une responsabilité tragique à assumer, ou la responsabilité d'une tragédie à assumer, et que quelle que soit sa parade, son paraître, son apparat, etc., etc., les scènes qu'il faisait, il devait y avoir de la blessure secrète là, et je l'ai senti, je l'ai pressenti en tout cas, et je l'ai respecté. Et il a été celui qui a le mieux, probablement de la façon la plus moderne, interrogé les rapports de l'homme à la vérité, de son désir nu, la question du réel, la question de la violence dans l'histoire. C'est l'homme d'après Auschwitz. Il l'a évoqué sans cesse, un petit peu comme les théoriciens de l'école de Francfort, c'est-à-dire il a vécu ce que Freud avait pressenti, c'est-à-dire la capacité de l'homme d'aller très très loin dans la destruction de lui-même. Lacan, c'est aussi la chute des illusions de la Révolution. Ça compte beaucoup. Qu'est-ce qui va rester quand on sera revenu de toutes les illusions de l'engagement révolutionnaire? Lacan est un penseur sceptique, c'est vrai, et en même temps passionné, c'est-à-dire l'engagement, la possibilité de croire encore en quelque chose, c'est-à-dire au désir, existe. Donc, il ne faut pas désespérer le sujet, mais la seule chose qui peut compter, c'est l'éthique du désir, puisqu'il ne nous reste plus que ça, ne pas céder sur son désir. Ça, c'est l'héroïsme moderne. La mort ! Et du domaine de la foi ! Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez ? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira. Est-ce que vous pourriez supporter cette histoire ?